toutes et à tous, c'est Clash TK. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du lundi, donc la vidéo de magie. Donc je vais vous faire tout de suite la démonstration du tour, comme d'habitude, et ensuite les explications. C'est parti. Du coup, pour ce tour, je vais prendre un paquet avec quelques cartes au hasard que le spectateur peut bien sûr mélanger autant qu'il le veut. Une fois qu'il l'a mélangé, le spectateur peut choisir une carte. Donc là, je n'ai pas spectateur, donc je vais la choisir moi-même. Donc par exemple, cette carte-ci. Donc je vais vous laisser la mémoriser. Ensuite, on va perdre la carte dans le jeu. Comme ceci. Donc là, maintenant, il va falloir retrouver votre carte dans le jeu. Donc pour retrouver votre carte, je vais utiliser les deux as. Donc je vais en mettre un au-dessus, un en dessous. Et ils vont faire leur travail et retrouver votre carte. Donc pour ça, on va d'abord mélanger un peu. Comme ceci. Donc une fois que le paquet de cartes est mélangé, on va laisser nos as travailler. Et donc ensuite, ils vont trouver votre carte et la garder. Et là, on voit qu'entre les deux as, il n'y a qu'une seule carte. Et cette carte, c'est la vôtre. Tout de suite, les explications. Donc c'est parti pour les explications. Donc pour ce tour, vous aurez besoin seulement de 13 cartes. Donc exactement 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ni plus ni moins. Car c'est un tour assez mathématique. Donc il faut avoir exactement le bon nombre de cartes. Donc il n'y a aucune préparation à faire sur ce paquet-ci. Juste prenez avant les deux as que vous mettez de côté. Donc nous, on va les mettre là. Donc ensuite, vous pouvez commencer le tour. Donc vous pouvez vraiment mélanger le paquet, donc normalement, sans faire de faux mélange ni rien. Ensuite, vous allez faire choisir une carte au spectateur. Donc imaginons qu'il prenne celle-ci. Donc là, on a le 7 de pique. Donc on va prendre la carte du spectateur, on va lui montrer. Normalement, il ne faut pas la regarder, mais dans tous les cas, peu importe. Donc on va montrer au spectateur. Ensuite, la carte, on va la reposer sur le dessus. Et là, on va contrôler notre carte pour la faire aller en dessous et la garder en dessous. Donc on va faire le mélange que je vous ai déjà expliqué. Vous faites le mélange à la française, vous prenez la première carte et vous mettez les cartes par-dessus. Donc là, vous la mettez dans le bon sens, bien sûr. Vous prenez la première carte et puis vous retapez toujours par-dessus. Du coup, la carte se retrouve en dessous. Et pour le faire plusieurs fois, vous allez prendre les deux cartes, donc la carte d'en dessous, la carte du dessus, glisser les deux et retaper comme ça. Et vous pouvez le faire plusieurs fois en essayant d'être le plus naturel possible. Une fois que ceci est fait, donc vous avez perdu la carte du spectateur même si vous l'avez contrôlée. Donc vous allez maintenant faire appel aux as, donc vous pouvez dire une histoire, ce que vous voulez, ça c'est à vous de voir. Vous allez mettre un as au-dessus, un as en dessous, comme ceci. Et puis là, c'est parti. Donc là, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir répéter plusieurs fois, donc des chiffres, que pour le nombre de fois que vous allez prendre une carte. Donc en gros, vous allez devoir faire 7, 3, 3, 3 et 6. Donc vous allez comprendre. Vous prenez le paquet comme ceci, prenez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et vous mettez par-dessus. 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et ensuite 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et 6. Donc une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à étaler le jeu.
et montrer au spectateur que vous avez, entre les deux as, la carte qu'il avait choisie. Donc voilà, c'est tout pour ce petit tour de magie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous l'aimez, likez et abonnez-vous à la chaîne. C'était Clash TK. Salut.